Et qui a permis la sécurisation de l'accès à l'hôpital
dialogue de signalisation. Et ce, à travers l'aménagement des infrastructures hydrauliques très importantes. Notre pays a également engagé des réformes majeures visant à moderniser le secteur de l'eau et à asseoir une politique de gestion durable des ressources hydriques, notamment la promulgation de la loi sur l'eau, jetant les bases d'une gestion intégrée des ressources en eau basée sur la décentralisation et la participation. Cependant, le défi à relever dans la gestion et la préservation de la ressource en eau reste majeur vu les contraintes liées à la demande croissante, à la surexploitation et à la pollution des ressources, ainsi que la problématique des changements climatiques qu'il faut tout d'abord mesurer, évaluer et disposer de la donnée relative à son évolution. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a une nécessité impérieuse de mettre en œuvre une vision plus claire et durable de collecte et d'organisation des données relatives à l'eau à travers l'implémentation des systèmes d'information pour pouvoir élaborer des stratégies et des plans d'action fiables pour en faire face à ces défis insistants. في هذا المجال قد يتدبير الموارد المائية في المغرب باهتمام متواصل باختلاف العصور والأزمنة وخصوصا بعد حصولها على الاستقلال حيث أن سياسة بناء سدود دجلة قائمة الملك الراعي الحسن الثاني في وقاء الثروة مكنت من تحسين تدبير وترشيد هذا الموارد الحيوي لجميع الأنشطة والمؤسسات والقطاعات المتدخلة في المجال المائي هذا التعريف عدد المتدخلين في تدبير الموارد المائية له من إيجابياته ولكن في غياب منظومة معلوماتية وطنية ومركزية متاحة للجميع تعمل على تنظيم سلوكية المعلومات وعرضها بشكل ممكن لاتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب وعرض التحدي الأكبر الذي يجب رفعه على أسرع وقت حيث أن العديد من الدول عرفت تقدما واضحا في الاعتماد على الأنظمة المعلوماتية التي تمكنها من رفع المعطيات الخاصة بمواردها بشكل دوري ومتواصل وبدقة متناهية. وفي هذا السياق ابتدأت الجمعية المغربية لجمعية فيها الشباب أن تنظم الأيام المتوسطية للأنظمة المعلوماتية المختصة في المجال المائي موازية مع الأيام العالمية للماء بشراكة مع كلية العلوم وجامعة الحكومة الخامس لأبدال وكذا عدد من الفاعلين في هذا المجال من أجل تدرس المستجدات العلمية في وحدة الإشكاليات التي تواجه تدبير المستدام للموارد المائية. Qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à cette rencontre scientifique et m'ont demandé de présenter une conférence introductive. Je vais donc utiliser ce support avec l'aide du technicien. Je pense que l'on trouve des cas exceptionnels, c'est-à-dire où les précipitations indiquent des tendances à la hausse, contrairement aux phénomènes généralement observés. La projection des précipitations que nous avions regardée ultérieurement, cela veut dire que même les régions où il y a une tendance à la hausse des précipitations, la tendance à la hausse des températures entraînerait automatiquement une baisse de la ressource disponible. Thank you.
faire. Tout d'abord, je vais parler sur l'activité de gestion de barrage au niveau du département. Par la suite, je vais donner une brève. La gestion des barrages demande une grande masse de données et provenant des barrages du Maroc. Alors, le département a pensé les limites et des déversoirs des ouvrages, avoir les barèmes. Thank you.
par exemple un réseau écologique, des bières, la etc. Puis une gestion, parce que c'est au niveau de sous-traitants, ils sont protégés, un dictionnaire de données, avec les modèles de tout à l'heure, un modèle conceptuel que nous avons proposé, ainsi avec une définition d'indicateurs que nous connaissons, on a parlé aussi sur les indicateurs. Established the following ground test, ground moments, very extraordinary and essential.
Well, I'm meeting with you, I'm introducing Kimasi, which is our information system to implement the calculation of this index at work. Kimasi is a climate information system supported by a geographical database integrating with other new databases in the biometric information network of ours. I would like to make a reflection about information systems design. Information systems now, they have been at production, storage, and data management. The data models has been dedicated to the production instead of the statistical formation. They manage a huge volume of records. For example, the climatic database in Lucia has over 1,500 million data. And they have been mainly designed in proprietary systems, for example, Oracle. But information systems do not grow, they have to be aimed at exploiting the statistical information produced, especially by calculation of indicators. They have to keep in mind the public dissemination of statistics. For sure, they have to have a special visualization component. They have to be interoperable through web services, and they should be designed as possible in open source systems. For example, Postgres as a database. At the beginning, we have data and tools. There was a second stage in which information systems were built up in order to integrate different types of information. But nowadays, the new perspective, the actual perspective, is web services and shared services production.
Pour la prise de décision facile pour la